Ils sont au nombre de 100, repartis en deux groupes. Les enseignants bénévoles vont apprendre les nouvelles approches pédagogiques, particulièrement l'APS, l'approche par situation, un changement de perspective pédagogique qui semble mobiliser les enseignants. En toute chose, le début a toujours été difficile. Mais avec ce que nous faisons, en tout cas, ils s'accrochent. Ils s'accrochent et ils sont vraiment animés par cet état de participer aux activités. Ça, c'est notre mission, telle qu'au départ, il y avait quelques lacunes, mais à l'étape où nous sommes, selon la participation de chacun d'entre eux, j'ose croire qu'ils seront capables d'aller répandre les informations reçues à leurs collègues qui sont restés. Du côté des enseignants, c'est un sentiment de joie, alors qu'ils sont appelés à employer les nouveaux programmes. Cette formation nous aide à ajouter en plus sur ce qu'on avait avant. Nous avons vraiment des bons formateurs. Ils nous forment très bien, étape par étape. Tel que pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes sur l'exploitation de la fiche. Ils sont en train de nous expliquer sur les trois parties également de la fiche, qui sont la partie administrative, la partie pédagogique et la page de l'apprenant. Initié par le PASS, le projet d'amélioration du système sectoriel de l'éducation, la formation bénéficie de l'appui des agences du système des Nations Unies.